Coucou tout le monde, alors me voici, me revoilà. Bon, vous m'avez demandé de regarder parce que on ne voit plus Bibi. Brigitte, Brigitte est disparue. Viens, Montoy, viens! Viens, je suis là. Hein. Viens là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Viens. Viens fou, toi. Ah ouais? Viens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Alors, oh, je vous baisse sur les cartes, excusez-moi. Voilà. Bon. Alors, il y a l'hiver. L'hiver et les parents. Bon, pour moi, là, elle est un peu bloquée. Hein? Pour l'hiver, c'est ça, elle est bloquée. Parents et flammes jumelles. Bon. En tout cas, on va avoir des nouvelles. D'accord? Il y a le médecin. Le médecin est l'air. Bon, son médecin, il lui a dit de s'éloigner. Hein? D'accord? Voilà. Et elle a eu un choix à faire. D'accord? C'est une chance pour elle. Hein? Voilà. Bon, alors. Qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Où est-ce qu'elle est? Alors, je ne sais pas hein, si vos animaux sont perturbés, mais moi, mon chien, je ne sais pas ce qu'il a. Il pète les câbles. Bon, d'habitude, c'est un bébé tranquille, on ne l'entend jamais. Et là, je ne sais pas. Bon, revenons à Brigitte. Alors, pourquoi on ne voit plus Brigitte Macron? Pourquoi on ne voit plus Brigitte Macron? Alors, bon, ça va être une surprise, d'accord? Voilà. On a l'homme. Certainement, hein, Pinocchio. On a la terre. Donc, à mon avis, et une rivale, hein? Voilà. Bon, pour moi, peut-être, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, qu'elle est partie, elle est partie, hein? Voilà, elle dit qu'elle est partie se ressourcer. Voilà. Bon, on a la femme âgée, hein? Voilà. Surprise, femme âgée. On a l'homme. Oh, excusez-moi. Consultante et homme âgé. Bon, alors, elle a peut-être un autre mec, hein? Voilà, hein? C'est la paix, hein. Voilà. Elle a besoin de se ressourcer, elle a besoin de retrouver sa paix. Après avoir semé la pagaille, elle peut partir, hein, voilà. On a la rivale et la patience, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Où est-ce qu'elle est, Brigitte Macron? Bon, voilà, vous voyez, elle s'est éloignée, hein, d'accord? Où on l'a éloignée? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? On ne voit plus Brigitte Macron. Pourquoi on ne voit plus Brigitte Macron? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Brigitte Macron? Ouais, bon, la brune, je sais même pas sa couleur, non, mais elle est blonde, mais elle s'éteint les cheveux, hein, je crois. Alors, pouvez-vous nous dire par rapport à Brigitte Macron? Alors, on a l'éloignement, la brune, on a la femme âgée. Bon, elle n'est pas toute jeune, hein, voilà. Hein. On a la santé et l'homme. Bon, alors peut-être qu'on va dire qu'elle a des problèmes de santé, hein, mais en réalité, c'est pas ça. Hein. Elle s'est éloignée, un homme.
que pouvez-vous nous dire pour Brigitte Macron? Qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Que pouvez-vous nous dire pour Brigitte Macron? Alors, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, non? Alors, que pouvez-vous nous dire pour Brigitte Macron? Oh! Bon, il y a l'homme en noir, hein, vous voyez? Elle s'est éloignée de l'homme en noir. Donc, elle s'est certainement éloignée de Pinocchio, hein? Ou de... Il y a le feu, hein, vous voyez? Voilà. Il y a le feu, donc c'était urgent, hein? Enfin, voilà, vous comprenez. Il y a alors l'éloignement de l'homme en noir, peut-être de Bill Gates et tout ça. Il y a la brune. Donc la brune, ça peut être parce que tout à l'heure on a vu qu'il y avait une rivale. Donc la brune, ça peut être une ministre ou enfin voilà quelque chose comme ça, d'accord? Buzyn, elle est quelle couleur brune? Peut-être, je sais pas. Bon. Était, enfin voilà, vous voyez, il y avait quand même le danger avec le feu, hein. D'accord? Alors, que pouvez-vous nous dire pour Brigitte Macron? Où est Brigitte Macron? Pourquoi on la voit plus? Bon, il y a la femme âgée et les fiançailles. Donc, elle est peut-être partie, voilà, hein, je vous dis, s'unir à quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, pouvez-vous nous parler de Brigitte Macron? Bon, elle, vous voyez, non, la fête, c'est, vous voyez, avant c'était la santé, mais la fête, en fait, elle n'est pas du tout malade. Hein. Elle n'a pas du tout de problème de santé. Elle fait la fête. Je vais vous parler de. Alors, le don artistique sur l'homme, d'accord? Donc lui, peut-être que. Il était un peu trop comédien, vous voyez? Voilà. Ou alors elle est en train de créer une autre chose avec un autre homme. Alors, je vais prendre mon tarot des anges. Alors, pouvez-vous nous parler de Brigitte Macron, s'il vous plaît. Brigitte Macron. Pourquoi on ne voit plus Brigitte Macron? Pourquoi on ne voit plus Brigitte Macron? Alors, celle-là, je vais venir aussi, on va la prendre. Alors, la première qui est sortie, c'est As de Terre. Alors, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Vous voyez, voilà. Je vous dis, hein, peut-être elle est partie créer quelque chose avec un autre homme, hein, et c'est ça. Documents ou contrats importants. Ensuite, on a la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc voilà, vous voyez, en fait, c'est ce que je vous disais. Elle est partie se ressourcer. Voilà, parce qu'elle a des choses. Elle doit réfléchir. Elle est en train de créer d'autres choses. Voilà. On a la page d'eau. Donc, intuitif, sensible, artistique et amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc vous voyez, c'est ça. Voilà. Il y a une nouvelle personne qui est entrée dans sa vie. Hein, voilà. Et donc là, elle est en train de réfléchir pour créer des choses avec lui. Et on a le 8 de terre. 8 d'air. Vous avez l'impression d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Voilà, vous voyez. Donc, elle,
En fait, pour l'instant, elle ne sait pas trop où elle en est, hein. Elle réfléchit, mais pour l'instant, elle a encore peur. D'accord? Voilà. Alors, pouvez-vous nous parler, Brigitte Macron? Pouvez-vous nous parler de Brigitte Macron, s'il vous plaît? On ne voit plus Brigitte Macron. Où est Brigitte Macron? Macron. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Parler de Brigitte Macron, s'il vous plaît. Alors, Macron. Alors, il y a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos de broutilles. Donc, apparemment, on parlait quand même pas mal d'elle, hein, d'accord? Et c'était pas positif tout ça. Voilà. La reine de feu. Alors, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc voilà, vous voyez, c'est ça. Elle est partie. Elle est partie. Elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée. Elle a besoin de réfléchir. Et elle est en train de créer quelque chose d'autre. Avec apparemment quelqu'un d'autre. Voilà. On a le roi d'air. Alors, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre contre les dimensions matérielles et affectives. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Bon, elle a du mal à prendre la décision parce que, bah ouais, avoir un salaire de président de monsieur, elle de première dame et tout ça, d'accord? C'est matériel tout ça. Mais apparemment, il y a des problèmes dans le couple. Voilà, ben oui, il y a des problèmes dans le couple. Et donc là, elle est partie, elle est partie. Alors, mais, alors voilà, elle est partie. Mais vous avez vu, hein, ce qu'on a vu sur Facebook, elle s'est cassée la figure, des escaliers. Après, elle a été déclarée Covid. Ah, bien sûr, le Covid à bon dos. Bon, comme ça, on dit qu'on l'a éloignée pour la santé. Mais ce n'est pas vrai, d'accord? Elle est en train de faire. Elle est en train de trouver son équilibre entre l'amour et le matériel. Voilà. Bon, il y a la roue, hein, d'accord? Donc, une période de changement positif. Une situation connaît un déroulement soudain. Voilà, vous voyez? Donc, la roue, elle tourne. La roue tourne. Donc, bah, Bibi est en train de réfléchir. Hein, voilà. Alors, pouvez-vous nous dire quelque chose sur Brigitte Macron? Brigitte Macron, on ne voit plus Brigitte Macron. Pourquoi on ne voit plus Brigitte Macron? Bon, alors les cartes ont peut-être du mal à parler, hein, c'est normal, on ne doit peut-être pas savoir, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Brigitte Macron? Bon, bah voilà, ça y est, ça commence. Oh là, puis il y en a, oh, bah, il y en a beaucoup quand même. Bon, mais bon, comme ils sont partis sur le jeu, je les prends. Alors, il y a la maison, famille, foyer, sécurité. Donc, elle s'est mise en sécurité. Voilà. Il y a la santé, donc santé physique et ou psychologique. Hein. Donc, c'est ça, hein, si elle est perturbée dans ses amours et tout ça. C'est psychologique, hein, voilà. Alors, bonne ou mauvaise selon les cartes. Donc là, elle s'est mise en sécurité, d'accord? Et il y a les réunions, donc discussion, accord. Elle est en train de passer des accords sur son couple, hein. Elle est en train de réfléchir, hein, voilà. Et pour moi,
Ouais, elle discute, elle passe des accords par rapport à ce couple. D'accord? Mais voilà. Il y a le mensonge, hein. Comédien, menteur, d'accord? Personne narcissique. Donc, je pense que, voilà, elle supporte plus les mensonges. Donc, elle s'est retirée, hein, pour être en sécurité. D'accord? Et elle était entourée beaucoup de personnes sombres, hein, de personnes narcissiques là-bas. Voilà. Mais il y a la vérité qui arrive, secret dévoilé. Voilà. On va apprendre quelque chose, vérité, après le mensonge, d'accord? Donc là, c'est pareil. Là, pour l'instant, on nous ment. Vous voyez, je vous ai dit, on nous ment sur la santé. Alors, on tire maison santé. Bon, on dit qu'on l'a mis à la maison pour le Covid, d'accord? Mais là, ils sont en train de passer des accords pour que ça ne soit pas su. Donc, bien sûr, on nous ment. On nous ment. Mais on va apprendre la vérité. On va apprendre quelque chose. Et on a l'amitié, hein. Donc, il se passe vraiment quelque chose de. Il se passe vraiment quelque chose avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et on a les enfants, hein. Donc en fait, elle s'est mise à l'abri. Elle s'est mise à l'abri et elle est protégée par une personne. Et elle est joyeuse là-bas où elle est, hein. Il y a la joie, la gaieté, hein. Alors, pouvez-vous nous dire sur Brigitte Macron? Il y a les voyages, vous voyez? Vacances. Elle est partie. Elle s'est retirée en fait, mais elle est nerveuse. Ok? Et on va découvrir quelque chose. Alors, soit sur elle, soit sur une autre personne, ou sur une affaire. Donc, peut-être sur une affaire d'enfant aussi. Hein. D'accord? Elle est nerveuse quand même. Hein. Alors. Brigitte Macron. On a l'étranger, hein, vous voyez, c'est une aventure, hein, d'accord? Et elle s'est évadée, on a l'évasion. Alors, elle est, pour moi, à l'étranger, peut-être. Elle affronte l'inconnu. Pour moi, elle est partie par rapport à un problème d'enfant. Vous voyez les réunions et tout, hein, il y a les réunions, la carte d'enfant est sur les réunions. Et donc, ça parle d'enfant. Et elle est très nerveuse, attention. Et on va découvrir quelque chose. Et pour moi, elle est partie à l'étranger. Alors, Brigitte Macron. Ouais, voilà, vous voyez. Elle a pris de la distance. Voilà, elle s'est éloignée. Il y a les déplacements. Elle prend du recul. Hein. D'accord? Donc, pour moi. Pour moi, elle est partie à l'étranger. Alors, Brigitte Macron. Alors, on a la clairvoyance. Voilà, on réfléchit avant d'agir. Maîtrise des événements. Vous voyez? Donc, elle est partie, il y a l'épanouissement, hein, l'intuition, la lucidité, vous voyez?
Hein? Alors, Végit Macron. Végit Macron. Vous voyez, bon, il y a le départ. Hein. Il y a le départ. Partir, quitter, hein. Abandonner, démissionner, d'accord? Voilà. Donc là, elle réfléchit avant de partir. Voilà. Elle va démissionner, mais pour l'instant, elle réfléchit. Il y a l'argent, hein. Il y a l'argent. Pour elle, elle est partie, mais elle n'est pas partie seule. Mais ce sera des relations enrichissantes pour elle. Voilà. Et ensuite, il y a les rêves. Donc, elle est inconsciente. Il y a l'illusion. Mais elle doit prendre une autre direction. Mais par contre, ce qui la bloque, hein, ce qui la bloque, parce que c'est blocage selon les cartes qui l'entourent. Donc là, ce qui la bloque, c'est l'argent. Voilà. Alors, on va voir ce qui sort à côté de l'autre. Hein. Voilà, parce que c'est un rapport avec gauche et droite. Moi, je fais comme ça. Voilà. Donc là, ça la bloque. Voilà. Ça la bloque à cause de l'argent. Mais là, voilà. Elle va quand même, elle arrive au carrefour. Donc là, elle va quand même faire un choix, prendre une décision. D'accord? Et il y a qu'elle. Il y a qu'elle qui peut décider. Voilà. Elle est à la croisée des chemins. Et il y a qu'elle qui peut décider pour sa vie. Voilà. Donc, elle est en train de réfléchir. On a vu tout à l'heure qu'elle réfléchit. Voilà. Et. Elle est peut-être en train aussi de discuter par rapport à l'argent avant d'abandonner, de démissionner, avant de partir. Voilà. Encore peut-être prendre un petit peu de sous à la France, hein, pourquoi pas, le temps qu'on y est, on va encore lui payer pas, hein, voilà. Ah là là, bon, enfin bref, de toute façon, ce n'est que mensonge, comme tout le monde. Alors, Brigitte Macron. Brigitte Macron. Faut de la patience, hein, elle y va lentement, d'accord, il y a un temps nécessaire. Alors bon, si elle pouvait partir et prendre son gamin avec, hein, moi ça m'arrangerait bien. Bon, pour l'instant, c'est encore instable, d'accord? C'est encore incertain, c'est fragile, d'accord? Mais il y a beaucoup de déséquilibre dans le couple. Dans le couple, hein. Le couple, il est vraiment instable, hein, et Bibi, elle est assez capricieuse, hein, d'accord? Donc, alors, Brigitte Macron. Brigitte Macron. Qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Bon, il y a la séparation, voilà. Vous voyez la coupure, le divorce. Hein. Hein, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai écrit au crayon or. Hein. Voilà, mais vous voyez, il y a la coupure ici. Voilà. Et le divorce. Hein. Le détachement, la déchirure, l'interruption. Voilà. Et voilà, vous voyez, elle est bien partie pour quelqu'un d'autre, regardez. Liaison extra-conjugale. D'accord? Relation physique. Bon. Alors Macron est cocu. Et bon, voilà, on va apprendre des nouvelles, on va avoir des messages, hein. Des nouvelles reçues ou attendues. Voilà. La compréhension.
Bon, j'avais vu l'autre fois avec mon jeu de 32, hein, déjà qu'il allait se passer un truc, je ne sais plus ce que j'avais vu, mais je l'avais déjà vu dans mes cartes, elle. Alors, pouvez-vous nous parler de Brigitte Macron? Qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Brigitte Macron, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Brigitte Macron, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? Vous pouvez nous parler de Brigitte Macron. Libérée des jugements, libre d'aimer. Regardez. Voilà. En fait, elle est partie. Voilà. Parce que, à mon avis, sa relation extra-conjugale est su, hein, voilà, et elle s'est libérée de tout jugement, voilà. C'est comme ça. Alors, Brigitte Macron, s'il vous plaît. Parle bien, hein, c'est bien. Alors, Brigitte Macron, s'il vous plaît. Brigitte Macron, s'il vous plaît. Je vais faire une coupe et puis voilà. Hein. Bah, après la tempête aussi, hein, là, d'accord? Au-delà de ce qui est normal, ben ouais, voilà quoi. C'est. Elle va se. Ça va quand même provoquer une tempête, hein, cette relation extra-conjugale, d'accord? Et c'est au-delà du normal, hein, pour un couple présidentiel, hein, voilà, mais bon, que voulez-vous? C'est la vie, hein, voilà. Alors, après, on sait très bien que c'était un couple, voilà. Bon, vous voyez, voilà, il y a la lune, hein, c'est vraiment sensible, c'est instable, hein. Alors, Brigitte Macron. Brigitte Macron. Brigitte Macron. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Macron? On ne voit plus Brigitte Macron. Ah oui, alors je voulais dire, hein, celle qui vient commenter en disant que je me démerde très mal avec le jeu de Just Be Witch, je vous. Hein? Bon. Parce que je savais bien qu'en autorisant les commentaires, hein, j'allais avoir le droit à ce genre de conneries, voilà. Alors voilà. Vous voyez l'union, hein. L'union, c'est bon, elle est instable, ok? Donc son couple, ça c'est voilà, hein? Ça va plus en fait, d'accord? C'est instable. Alors ensuite on a l'adaptation. Le dévouement, le respect avec le loup, d'accord? Donc, pour l'instant, elle est en train de s'adapter, voilà. Elle s'est dévouée, hein, voilà, elle s'est dévouée. Pour l'instant, elle est partie, elle respecte le silence, voilà. On a le pain, donc subsistance, répit, nourriture, elle est partie. Voilà, réfléchir, on peut prendre du répit, voilà. Et voilà, il y a la porte. Donc, pour elle, elle a eu une opportunité. Il y a la curiosité, hein, voilà, la découverte. Donc, elle est partie découvrir autre chose, d'accord? On lui a proposé quelque chose d'autre avec le pain. Et voilà. Donc, elle est partie découvrir une autre
Notre vie. Mais pour l'instant, c'est tenu secret, hein, parce qu'elle s'adapte, vu. C'est pas beau genre, déjà que la France est par terre, si on apprenait que Brigitte avait un amant et qu'elle divorçait. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, ben, il y a la communication quand même, hein, la compréhension, d'accord? Mais par contre, il y a le corbeau, hein. Danger, accident, trahison. Hein. Donc, vous voyez, c'est sur le lien à l'union. Donc, il va y avoir la trahison. Voilà. Et on va en entendre parler parce qu'il y a la communication. Hein. D'accord? Voilà. C'est la chance, la paix, le bonheur. Hein. Alors, Brigitte Macron. Pourquoi on ne voit plus Brigitte Macron? Bon, il y a le chien, fidélité, ami, loyauté. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein, elle respecte, voilà. Tout en, elle est loyale et voilà. Pour l'instant, elle se tait pour ne pas se cacher. Alors, voilà. Et voilà, nouvelle vie. Hein. D'accord? Elle est partie pour vivre autre chose, une nouvelle vie. C'est une occasion qu'elle a eue. Hein. Et elle prend ses responsabilités. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, bah écoutez, hein, moi je ne peux pas mieux. Franchement, les dernières cartes nous ont bien parlé, d'accord? Il y a la séparation hein, dans la sexualité, donc le couple, hein, mais bon. Voilà. Divorce, hein, séparation, divorce, d'accord? Pour une relation extra-conjugale. Voilà. Bon, alors, eh ben, pauvre Manu. Pauvre Manu, mais comme je dis tout le temps, hein, la roue tourne. Bon, de toute façon, c'est chacun leur tour, hein, parce que moi, j'avais vu qu'avant, c'était lui. Donc, mais bon, après aussi, hein, peut-être que c'est encore le cas pour lui, hein, et que de ce fait-là, ben, comme il n'y a pas eu de changement, elle a pris une décision et que, voilà. Bon, bah écoutez, bye bye Bibi. Bye bye Bibi. Et vous allez voir qu'il va y avoir des changements en cours. Alors, moi je sais qu'il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci, parce que mes guides me l'ont dit. Mais beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Alors, on va voir maintenant. Faut attendre, faut attendre, il faut attendre. Je crois que j'avais vu hein, que Pinocchio, bye bye novembre. Il semble que j'avais dit ça, non? Bon, ben, on fera un tirage, on regardera. Hein? Voilà. Bon, les amis, désolé pour les longues vidéos. Mais c'est comme ça. Ça ne parle pas tout de suite. Il y a des fois des choses qu'on n'a pas le droit de dire de suite. Bisous, bisous.